Salut à tous, salut à toutes, c'est DRK36 pour la suite de notre let's play sur XCOM Enemy Within. D'ailleurs, je vais arrêter de dire le Within parce que ça sonne très mal, j'ai un anglais à chier, alors on va juste dire XCOM maintenant, d'accord? Alors, il y a juste une chose que je vous avais pas encore montré lors du premier let's play, donc dans ingénierie installation. Voilà, c'est le petit plan de construction, il faudra que je fasse attention à comment je fais les choses parce que en fonction de comment je les place, ça donnera des bonus si c'est les mêmes structures qui sont adjacentes, notamment les générateurs si je me souviens bien. Ça coûtera de l'argent de construire, il faut d'abord que je creuse, c'est 10, et puis ensuite que je construise ce que je veux. Là pour l'instant, qu'est-ce que j'ai, un laboratoire et un générateur. Alors niveau énergie, on est à 30 sur 37, ouais, ça pourrait être pas mal. De construire bientôt des générateurs. Donc si j'en fais un là, un là, un là, un là, ça pourrait être assez cool. Donc, allez, on va anticiper. On a du fric, 190 crédits. Ok, c'est parti pour le gène. Ça m'en coûte 60. On lance ça. Ça prendra 5 jours à être construit. Voilà, c'est dans la file d'attente. La recherche est en cours. La caserne, ma liste des soldats. On va vite refaire une présentation. Donc j'ai mon maintenant caporal Carlos Lopez, mon grenadier, qui est en activité avec Yutaka Takahashi, mon sniper, deuxième classe, et également deuxième classe Isidoro Hernandez, qui est mon commando, donc celui qui sera destiné à rusher à coup de shotgun a priori. Là d'autres soldats de la Bleuzaï qui n'a pas été encore soumis au feu, et puis mais blessé, un sniper. Oui, 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 je sais, le sniper c'est pas fait pour rusher, merci Marquis pour encore tes remarques, le truc c'est que voilà, comme je l'expliquais dans le commentaire de la première vidéo, il y a une aptitude qu'on peut débloquer, est-ce que j'arrive à voir ça ici? Ouais, elle n'est pas encore visible, elle est verrouillée, c'est au niveau de caporal ou sergent, je ne sais plus, mais on peut se déplacer et ensuite tirer, ce qui n'est pas possible de base avec le sniper. Donc j'avais tendance à m'avancer trop en croyant que je pouvais me mettre en tir de vigilance le cas échéant, c'était pas possible. Bref, on verra ça plus tard. Donc voilà mes soldats. Le centre de formation, ça on n'a pas encore vu, parce qu'il faut que, voilà, un soldat XCOM doit être au moins sergent. Donc ça permet de débloquer différentes tactiques qui nous donnent, bah, par exemple, l'escouade 1, on peut avoir 5 soldats, l'escouade 2 c'est 6 soldats, novice, les nouvelles recrues passent immédiatement au grade de deuxième classe, guérison rapide, etc., etc. Le mémorial, bah voilà, on avait vu, on peut encore recruter des gens, mais là ça va, j'en ai pas besoin pour l'instant. Le hangar avec mes intercepteurs, la liste des avions, donc j'en ai un qui est en train d'être apparé, le premier, le Raven 1 qui a été endommagé lors de la première interception, et puis le Raven 2 qui est prêt. Et puis j'ai un autre Raven, le 3, qui est actuellement armé de missiles avalanche, on pourra changer ça plus tard, qui est prêt au niveau de la zone Asie, parce que là j'ai un satellite de surveillance. Voilà. Ceci étant rappelé, on va retourner au centre de contrôle. Là, on a les prochains événements qui vont arriver. Donc, l'enceinte de confinement, je lance surveiller. Voilà, elle est construite. Ce sera pour détenir les aliens, afin de mieux les étudier. Enceinte de confinement opérationnelle. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux construire en plus au niveau de la production? Un medikit. Ça pourrait être utile d'en avoir un. Construisons-en un pour l'instant. Satellite, c'est bien. Ah, il me reste plus grand chose au niveau crédit. On va pas se ruer tout de suite sur la production. Au niveau de la salle de surveillance, j'ai plus de satellites à disposition, mais tout est ouvert. Ok, alors on va pas s'énerver tout de suite, c'est juste que ça prend du temps. Et puis le conseil c'est dans 16 jours. Bon, on va laisser voir venir un petit peu. Fragment d'armes. J'aurais peut-être pas dû faire le générateur, j'en avais pas encore tout de suite besoin, mais bon, je sais pas. Les fragments d'armes, ça me permet de faire des scopes. Des scopes, c'est pour améliorer la visée, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Visée sophistiquée s'intègre à l'ATH dynamique d'XCOM pour faciliter la visée une fois équipée. Ouais. Ça, on va peut-être en... Ah ouais, un électroflux, il faut que je construise ça pour choper des aliens, mais on va d'abord voir ce qu'on peut faire en plus. Recombinaison de mêlée. Les envahisseurs semblent avoir disposé des contenants de cette étrange substance, voilà. Ça pourrait aussi être une sorte d'arme, des analyses... Ouais, 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 moi j'aimerais bien savoir ce que c'est, je connais pas du tout. On va commencer ce projet. Cette technologie a un bon nombre d'applications potentielles.
Mon équipe va se faire un plaisir de travailler là-dessus. Ok, très bien. Je vous tiendrai au courant de nos progrès. Je peux rien faire. Oui, les scopes. On va en construire. Ouais, je pourrais plus faire de satellite. Allez, on va s'en faire deux. Et puis, on va relancer la surveillance. Alors, qu'est-ce qu'on a construit? Bon, il y a pas mal de choses au début, là, à voir. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Ah, voilà, le générateur, c'est bien ce qui me semblait. On continue la surveillance, la recombinaison de mêlée dans 4 jours et dans 12, le conseil. Des fois, il peut rien se passer pendant longtemps. Ah, là, il y a... Qu'est-ce que... Bon. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est, docteur? C'est la mêlée. C'est très singulier. La structure cristalline abritée dans le conteneur est en fait une suspension qui contient des milliards de nanomachines cybernétiques, chacune étant composée d'éléments organiques et mécaniques. Ouais. D'après les analyses de mon équipe, ces robots microscopiques sont capables d'assembler des structures mécaniques avec une efficacité sans précédent. Une étude plus poussée et des installations adaptées devraient nous permettre de créer une sorte super de super exosquelette connecté au corps humain. Mon équipe s'intéresse davantage à la possibilité de modifier physiquement le tissu lui-même, en incorporant des éléments des adaptations génétiques des aliens et en utilisant les nanites pour fusionner ces corps étrangers. Ce sera au commandant de déterminer ce qui est le plus avantageux. Êtes-vous au moins d'accord sur un point ? Étant donné le but apparent des nanites, c'est-à-dire la combinaison de matériaux organiques entre eux ou avec des machines, nous sommes d'accord pour les appeler... Mêlés. Ah bah voilà. Ah, c'est fini. Voilà, donc il y a la cybernétique et la génétique. Voilà, c'est ça qu'il me semblait avoir lu. Puis il faudra faire des choix, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire comme autre recherche? Alors, labo cybernétique, labo de génétique, Getter CEM, je sais plus ce que c'est. Pupille hyper réactive disponible dans le labo de génétique. Bon, je sais pas ce que c'est parce que j'ai jamais vu. Bon, il y a pas mal de choses disponibles. Et des nouvelles installations. Ouh, comment on va faire tout ça? Eh ben, intéressant. Ah ouais, ça me donne envie de construire ces histoires. Pouf. Yeah. Oh putain. D'accord. Bon bah cool. Bon, en attendant, on va faire l'autopsie d'insectoïdes. J'ai pas envie d'avancer tout de suite avec l'électroflux parce que ça va me faire avancer dans la quête principale et il y aura des adversaires plus difficiles. Donc comme je vais prendre un petit temps d'adaptation, je vais essayer de pas trop rusher. Ah, les armes à rayons aussi, c'est bien. Ça, bon, ça prend 14 jours. M'en fous, ce sera après le conseil. Je savais que vous donneriez la priorité à ce projet, commandant. Je vais tout de suite commencer les préparatifs. Bon, d'accord, très bien. Bon, moi j'aimerais bien avoir une petite mission là quand même. Il n'y a qu'à demander. Commandant, on reçoit plusieurs demandes. Australie, difficile, 200 balles. Les enlèvements actuels sont marqués sur l'hologlobe. Donc à Perth, à Manchester, j'ai 4 ingénieurs, c'est modéré. Mais là, la panique est déjà à 2, hein, contrairement à Manchester, où elle est seulement à 1. Saint-Jean, c'est facile, ça me donne 4 scientifiques. Bah, ouais, le problème, c'est que j'ai une équipe de bras cassés, quoi. Je sais pas si... j'hésite. En plus, j'aimerais bien du fric. Bon, j'ai mes soldats un peu meilleurs qui ont repris. On va se la tenter. Hein ? Ça risque d'être chaud. Alors, on va se garder comme ça. Qui est-ce que... Ah, je pourrais augmenter la taille des soldats dans le centre de formation, mais de toute manière, je crois que j'avais pas l'argent, et j'ai pas le centre de formation, surtout. Est-ce qu'il y a quelque chose à modifier? Donc, deuxième classe. Moi, j'ai déjà des... Caporal, deuxième classe Takahashi, 2 snipers. Est-ce que je garde mes 2 snipers? Ben, je crois que je vais garder, c'est la meilleure équipe que j'ai, de toute manière. J'ai pas de meilleur équipement. J'ai juste le Kevlar. Bon. On y va. Pas oublier que c'est difficile. Il risque d'y avoir beaucoup d'ennemis. Si on réussit, ça peut rapporter déjà gros.
j'espère qu'il n'y aura pas trop de morts. Strike One, paré pour atterrissage. Allez, on c'est un milieu urbain. On a reçu plusieurs appels de détresse venant de l'Australie. Faites vos bagages. L'activité extraterrestre continue d'augmenter dans plusieurs villes de grande taille. Il faut qu'on intervienne. Allez, on y va. Il fait jour, c'est déjà ça. Strike One, ici Central. Vous avez la permission d'attaquer tout contact hostile dans la zone. Ok, ne prenez bien. Aucun risque. Je pourrais faire déjà monter un des snipes là-bas en haut. Allez, Takahashi, tu vas te diriger. Est-ce qu'il peut monter là ? On dirait que oui. Comment je faisais pour voir l'étage supérieur ? Ça, c'est souvent assez utile. C'est juste avec la roulette ou... Ah ouais, je pourrais l'envoyer sprinter jusque là. Ah, j'aurais peut-être dû le laisser sur le rebord. Bon, notre soldat de soutien, on va se mettre ici en vigilance. Ensuite, le snipe, il va aller de côté ici, là, juste derrière la caisse. Ah bah, il y a de la mêlée. Fait chier, je peux pas encore utiliser la fameuse aptitude. Puis toi, tu as sprinté jusque là-bas. On y va. Non, ça bouge là-bas au fond. Merde. Alors, comment on va se la jouer? Le snipe, est-ce qu'il a déjà... Ouais. Une petite solution de tir. Est-ce que j'ai possibilité de voir l'autre? Non, il n'y a que lui. 35%. Allez, on s'attente, on sait jamais. Et merde. Là, je suis toujours à couvert. 30%. Ouais, c'est chaud, hein. Bon, on tente. Allez, on va le mettre là. J'y vais tout de suite. Ici, comme ça il aura, il pourra couvrir au cas où il y a quelque chose qui se passe par là, j'en doute, mais bon. Grenade, j'arrive pas à l'acheter là, ça pourrait faire mal. Non. J'en vois. C'était nul, je sais pas ce qui m'a pris. Et on va le faire avancer par là. Je devrais pouvoir le voir. Ouais. Je les vois même les deux. Alors, qui est-ce qu'il... 28% et l'autre... 28%, c'est vraiment pas terrible. On va essayer de tirer sur lui. Ah bah voilà. Fallait bien quand même, un tiers, ça veut dire une fois sur trois quand même. Même si là c'était un peu moins d'un tiers, je vous l'accorde. Il va là-bas au fond. Non, ça bouge la bataille. Ouh, il y a ton petit copain. Bon. Par contre, la mêlée, deux tours, faudrait que je me découvre avec elle, puis que je la fasse sprinter jusque-là. Alors là, complètement à découvert. Ah, il paraît qu'il faut prendre des risques. Hein. Allez. Ici. Non, là. Tant qu'à y aller, on y va. J'ai le matos en visuel. Alors lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il voit rien du tout. Il est complètement à découvert. Si je me mets au contraire tout là-bas. C'est parti. Voir ce qui se passe. Alors là, j'en ai deux en ligne de mire. Est-ce que j'ai 28%, 48%? Allez, on essaye. Loupé. Je sais pas, ça peut faire péter la voiture des fois. J'aurais peut-être pu avancer en fait. Peut-être. Pour l'instant, j'ai un peu de la chance. On va s'approcher un peu plus là. Ah, mais il pourra pas tirer, c'est chiant. Bon. On va se mettre en position défensive. On a tout le monde à bouger.
Là, j'espère qu'avec mon snipe, pourrait faire quelque chose. Il va même nous tirer dessus, salopard. J'hésite même à balancer une grenade. Ah, raté, ça va. Alors là, on va s'avancer un peu avec Carlitos. 48% et 48%. On va lui tirer dessus. Ok. Voilà, et de deux, c'est bien Carlitos. Alors là, on va profiter pour prendre la mêlée. Ah, je peux pas là. Je dois être vraiment devant. Bien, commandant. Merde, Carlitos, il va falloir qu'il fasse le défouraillage là. Ah, mais il y en a partout. Est-ce que là, au moins, je peux prendre? Oui. Mets-toi à couvert. Voilà. Alors, lui, tire à la tête. 71%. Et pan, allez, vas-y, loupe pas. Hein. Loupe pas, loupe pas. Voilà. Et de 1. Alors, l'autre sniper, là, il sert pas à grand-chose. Peut-être m'avancer pour le soutenir s'il se met là derrière. Ah, il faut que je fasse gaffe à l'autre, là. Là, je serai dans sa ligne de mire. Et si je cours jusque là-bas? Allez. Bien reçu, je bouge. De toute manière. Faut pas qu'ils allument trop la caisse là, sinon je vais. D'accord, ils le boostent. Ça, c'est leur tactique habituelle. Il essaye de se casser. Ah, il veut quand même me tirer dessus. Et merde! C'est quand même pas de bol ça. Hein. C'est quand même pas de bol. Les salauds, deux fois. Bon. J'allais dire, de toute manière, j'ai deux snipers, mais si ça continue comme ça... Ouh. Bon, Carlitos, il est à court de mun. Il faut que je recharge. Ça va me prendre un tour. Bravo. Fail, refail et fail. 55. 55, c'est lui qui m'a tiré dessus, c'est lui qui va prendre. Ou on va essayer. Voilà. Vengeance. Ah, qui s'est passé de l'autre côté là? Il s'est tiré dessus tout seul ou quoi? Il s'est passé quoi, bordel? On dirait qu'il s'est tiré dessus tout seul. Ah, c'est parce que j'ai tué celui qui le contrôlait. J'avais oublié que ça marchait comme ça. Je pourrais me mettre là derrière. Je me risque hein, quand même. Tout ça pour la mêlée. Allez, Carlitos résiste. Ouais, il est costaud, hein, mais il s'est pris 4 quand même. Ah merde, il s'est encore tiré dessus. Il y a l'autre là qui a abattu Takahashi. Alors, il envoie 3. Ouh là là, 38%, 48, 48. C'est bizarre que j'aie moins pour lui. Mais il est plus proche, hein. Je crois que je vais lui tirer dessus. Ah, fait chier, bordel. Dégâts négatifs. Là, je suis super emmerdé avec mon snipe tout seul. Je crois que c'était pas une super bonne idée d'en prendre deux de snipe. Bon, on va le repositionner. On va aller jusque là. Bien reçu. Je serais étonné qu'il y ait encore des aliens là-bas. Hein. Enfin bon, je vais avancer jusque là à découvert. Et tout ça pour prendre cette putain de mêlée droit derrière. Ça devient un peu chaud là. Ah, si j'arrive à lui balancer une roquette à lui, ça va le tuer lui automatiquement normalement. Il s'est mis en vigilance. Aïe aïe aïe. Ouf. S'il se prend un critique, Carlito, ça risque d'être méchant. Hein. Ou mieux si j'arrive à le sniper l'autre. Ah, j'ai pas de solution de tir dessus. On va se garder le snipe au cas où. Comment on fait pour annuler déjà? Voilà. Alors, est-ce que j'arrive à faire le gros port? On va balancer tout ça là-bas. Tant pis.
c'est comme ça, c'est la guerre. Allez, pourvu qu'il loupe pas. Il y a la voiture devant. Voilà, les deux là-bas, plus... ou un là-bas, non. L'autre, il est toujours vivant. Ouais, je sais, mais là, ça commençait à être violent. Il risque de détruire les artefacts que nous espérons récupérer. Essayez d'y penser. On va se mettre en vigilance. Alors, toi, t'es là, tu me prends la mêlée. Et puis, on va se regrouper un petit peu, parce que ça devient un petit peu chaud bouillant. Ok, on va laisser une chance au sniper de le... Non, il le voit pas. Je vais l'avancer jusque là. Position défensive. Alors, je vais rentrer puis me mettre à couvert. On va aller directement... Ouais, on va se mettre vers cette porte là-bas. Au pire, on le prend à revers, comme on dit, dans ce genre de situation. Allez, pantir. Ah merde, il est bientôt à vivre aussi. C'est bon, Carlitos, il a fait le ménage. Bon, bah voilà. Voilà, j'ai perdu. Takahashi, c'est comme ça, c'est la vie, c'est dur. C'est au début. De toute manière, j'ai un autre sniper. Voilà. Si j'avais un doute sur le titulaire pour la place de sniper, maintenant j'en ai plus. Mais bon, j'ai péché un petit peu par excès de confiance. Hein. Je pensais qu'ils allaient se louper, les deux. Alors, promouvoir, c'est notre snipeuse. Donc, j'ai la vision commune qui permet de tirer sur les cibles se trouvant dans le champ de vision de n'importe quel allié. Ça, c'est bien. Pas de coup critique en pleine tête. Et puis ça, c'est, voilà, supprime la réaction de tir et vigilance du fusil de précision après un déplacement. Et voilà. C'est ça que je voulais et c'est ça que je vais prendre. Et j'ai Carlitos, évidemment, qui a fait des étincelles. Il est sergent, maintenant. Requête perforante, et puis suppression d'un barrage qui mobilise la cible permettant d'effectuer un tir réflexe contre elle, infligeant... Ouais, ça c'est bien. Ouais, ça... Ah, j'avais déjà pris de la suppression, un truc qui s'y rapprochait avant, on va faire le gros bout. Hein. 20 fragments de mêlée, enfin 20 mêlées en tout cas, 12 fragments d'armes et 8 cadavres de sectoïdes. Bon bah voilà, la conséquence c'est qu'en Amérique du Nord, la panique monte, et en Europe aussi. En Australie, ça baisse. Nous vous recontacterons, commandant. On va juste revenir là. Pour se faire une idée, ouais, le Royaume-Uni, on est à 3 et le Canada également. Il faudra que je pense aux satellites dans vraiment pas longtemps. Et j'ai gagné du fric. Donc, en fait, on va lancer la construction d'un satellite. L'énergie, c'est bon. Il me faut un relais aussi. Alors déjà, production. Satellite, ça coûte 100. On va en construire un. On n'a plus un seul terminal de voilà, liaison disponible. C'est bien ce qui me semble. Il faudrait qu'on en construise d'autres sans tarder. Alors, terminal de liaison. On va en construire un à côté de l'autre. Je peux pas, pourquoi? Il faut 5 énergies et 10 ingénieurs. Donc il faudrait que je recrute des ingénieurs. Comment on fait ça? Est-ce que c'est dans recruter tout court ou c'est pour les soldats? Non, c'est avec les missions, je crois qu'il faut... Je crois que c'est comme ça que ça marchait. Merde, il faudra vite que je dise ça, c'est important. Ok, bah écoutez, on va juste retourner au centre de contrôle, faire avancer jusqu'au conseil. Je sais pas si on va me donner des ingénieurs à ce moment-là. Des fois, il y a des récompenses à ce moment-là, si je me souviens bien. Le marché gris. Plusieurs membres du conseil ont l'air de s'intéresser de très près. On peut vendre ça contre un peu plus d'argent. Mais on va se les garder pour l'instant, ça. Réfléchissez avant de vendre. J'en ai besoin pour les recherches. Vous devriez d'abord vérifier que l'unité de recherche a eu le temps de les étudier. Requête en attente, j'en ai pas. Alors, hop, on fait avancer ça. Réception d'une transmission. Voilà. Ça, c'est le jour du conseil. On se croira à Koh-Lanta. oui, merde, moi j'attendais que ça vienne. Nous sommes vraiment impressionnés par les progrès du projet XCOM, commandant. Vos résultats dépassent de loin les attentes du conseil. Merci, merci. Et ce n'est pas une chose qui arrive souvent. Ça, c'est pas faux. Bon, je suis rang A pour l'instant, mais ça risque de pas durer. Voilà, j'ai reçu des ingénieurs en plus. N'oubliez pas, nous vous observons. Ouais, tranquille. Les nouveaux ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Donc. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. 5 ingénieurs. Donc je peux là. Commandant,
On n'a plus un seul terminal de liaison disponible. Je suis con, excusez-moi, excusez-moi. On construise d'autres sans tarder pour déployer de nouveaux satellites. Ah, il m'en manque encore, mais je vois pas où est mon nombre total d'ingénieurs. Si les en tout cas, il m'en manque. Bref. Écoutez, Terre, bah. Nous ne pourrions pas faire grand chose pour les arrêter. Ils doivent avoir autre chose derrière la tête. Bon. Bah, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je pense que vous commencez déjà à bien voir comment ça se passe, cette histoire-là. Il faut que je réfléchisse à comment exploiter cette mêlée. Construire un satellite en plus, ça sera probablement la prochaine étape. Il me faut des ingénieurs, donc on va voir ce qu'on peut faire avec les missions. Et puis ensuite, ces laboratoires de cybernétique et de génétique, bah, ça m'intéresse pas mal. Aussi, le centre de formation, ça serait bien d'avoir 5 soldats. J'aurais plus qu'un sniper et je crois que c'est mieux pour l'instant. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit. C'était DRK36 sur XCOM. À très bientôt. Ciao.